varier. Et qui a arrêté pour suivre sa fille aux quatre coins de la planète. Dirty love. Ouais, c'est parfait pour Maria Sharapova qui n'a perdu que 6 points au service depuis le début de cette rencontre. Elle a fermé la porte à toute volonté adverse de refaire éventuellement un break de retard. Elle débutera dans 15 jours maintenant. Ouais, elle a hésité l'espace d'un dixième de seconde à aller finir ce point au filet. Sans problème, les interrogations sont levées concernant Maria Sharapova, dont le retour aux affaires se passe pour le moment très bien. Elle mène une manche à rien face à la jeune Française Caroline Garcia qui n'a pas démérité. Après 4 mois et demi d'absence, une très belle copie rendue par la Russe. C'est un break. Ce serait très compliqué à remonter pour Caroline Garcia. Retrouver la première. Elle se fait agresser aussitôt. Et le break réussi par Maria Sharapova. Cette fois-ci, ça reste dans les limites du court. 30-15. Ah oui. Tant qu'elle va garder cette maîtrise au service, ça va être mission impossible pour la Française, c'est clair. Deuxième fois que ce revers longue ligne vient titiller le Oh, c'est superbe. Préparation extrêmement courte parce qu'elle était légèrement prise à contre-pied. Elle arrive quand même. Durant l'automne et cet hiver, cette épaule va bien. Très très bien même, et Maria Sharapova qui va compiler un nouveau jeu.
superbe. Ah, elle préfère en sourire, la Française. Ce passing magnifique réussi par Maria Sharapova en bout de course. Elle arrive à croiser. Et là, ça va sortir. Et la pilule qui va être... Ah oui, trop vite, trop fort. Maria Sharapova qui est sur la lancée de ce deuxième set express est à un point de composter. Elle va de l'avant à l'image de cette balle de match. Maria Sharapova faire la promotion de sa marque de bonbons, c'est une chose, mais c'est avant tout une joueuse de tennis qui avait faim de victoire. Elle l'a montré en s'imposant 6-3, 6-0. Caroline Garcia a fait les frais de ce retour sur la planète tennis par la grande porte pour Maria Sharapova, qualifiée pour les huitièmes de finale de ce tournoi de Brisbane. 6-3, 6-0. Et Caroline Garcia qui a donc subi, eh bien, une...